Merci beaucoup, Bandeko Nabiso, Oyo Balanda Nabiso, na chaîne Nabiso. To pe sibino ba sali, to pe sibino ba mbote, lelo, to zana bino awawa. To yoko pe selabino, selo makam Nabiso ya Oyezo le kanamboka Nabiso, selo ba prophète Nabiso, selo ba prophète Nabiso. To za bongo na mosali moko ya Nzambe. Toro yambaye lelo, arolobela, nenge, marambuna, ezoleka, tozo yokaba nungu nungu nenge komi yaba pasteur nabiso, nenge komi yaba prophète nabiso, qui est le vrai prophète, qui est le faux prophète. Toro yambaye lelo, aza vraiment mosel na Nzambe, toza ne na même plateau. Boroyokaye, bolandaye, c'est un très très bon pasteur pour moi, parce que na kendara na église nae. Na mona ba oyo esalamaka liboson tozo yamba mosali na Nzambe akopesela biso ndenge ni makambo ezo pesa. Merci tozo za malamo mosali na biso na Nzambe atozani ensemble na plateau akoyeb sabino akopesela bino tozana e. Bonjour mon pasteur. Bonjour Pélé, bonjour à tous les internautes dans Vanegonion, Soazola, Nabiso, de partout. Bonsoir, ça dépend de l'heure à laquelle vous allez nous suivre sur cette vidéo. Merci beaucoup, Toyambi Lelo, pasteur Nabiso. Oyo, Azopesa, évangéliste, Nakati, à France, Nakati, à Paris. Toyambi Lelo, Mosel, en Zambé. Nakom. Toyambi Lelo, pasteur Nabiso, pasteur Owanga. Akope Sabino, prénom nae, combo nae. Bonsoir pasteur. Bonsoir Pélé, je m'appelle pasteur Odan Elwanga. Je suis né un certain mois de septembre d'une certaine année, par la grâce de Dieu. Je suis pasteur principal des centres chrétiens Shiloh, qui est situé à Paris. Et je suis père des familles, voilà, par la grâce de Dieu. Nous sommes ce que nous sommes, et Toza O Tozali, comme étant une petite pierre dans l'édifice du Christ et dans le corps de Christ. Amen. Tout s'est fait d'abord, Yaro Yambayo. Soyez bienvenue dans Platon Nabiso. Merci. Yaro Yamba invité Lelo au respecter rendez-vous Nabiso. Vous voyez qu'au Talabiso. Évangile Nao, Zoleka. Comment au Pressaraba Évangile Nao? Ouais, par la grâce de Dieu, nous sommes sur Nabiso. Dans mes yeux, il y a grâce sur la paix Nabiso. Toza qui édifie l'Ibota na Nzambe, d'à travers l'église locale, aussi d'à travers les réseaux, d'à travers le média, tous les jours par la grâce de Dieu. Toza la va prière ou tout cela en ligne, du lundi, puis pratiquement de mardi à vendredi, à plutôt à samedi. Et puis nous avons nos cultes pour l'instant en ligne parce que nous avons eu un petit souci de la salle que nous allons reprendre très bientôt. Par la grâce de Dieu, toujours voulu Malem Malembe, je venais de sortir un single. Ça fait déjà pratiquement une année qui quasiment est suivi na chaîne Nanga YouTube. Donc voilà, toujours mes cas malem malem par la grâce de Dieu d'être fidèle à la mission qui est la nôtre. Ce mutalinga s'abonner na YouTube na reza abarbe tanini parce que pour yakolanda ba prédication na yo na single na yo. Single na yo eza na titre ni. C'est laisse-toi trouver, c'est-à-dire c'est une expression d'un cœur assoiffé de Dieu qui cherche Dieu pour que Dieu se manifeste dans sa vie. Nemi Bezoloba cherche l'Éternel pendant qu'il se trouve, invoque-le tandis qu'il est prêt. Donc, tout le monde peut s'abonner sur ma chaîne YouTube Odan Elwanga TV, c'est-à-dire comme mon nom, mais il rajoute juste TV devant. C'est vrai que sur ma côte na YouTube, ils verront beaucoup de Odan Elwanga, mais celle à laquelle ils peuvent s'abonner, c'est Odan Elwanga TV. Donc, ils verront mes prédications, ils verront mes émissions, ils verront toute forme de choses que j'ai fait dans son ensemble, dans les cadres. Il y a l'auto, mon père, ministère, on nous a appelé Sibiso par sa grâce. Pasteur, Nalandi Kombo na yo, et koti na El Wanga. Kombo ya El Wanga, toye biango loko la ba, soleil Wanga, lelo toyo kiyo na Kombo ya Wanga. Oza famille ya Wanga, Kombo ya Wanga na euti wapi. Ben justement, soleil c'est le deuxième de ma famille. Blaise Wanga, c'est le troisième de ma famille. Moi, je suis le quatrième de ma famille. Donc, elle, na hébreu, ni koloba appartenance à Nzambe. C'est-à-dire, quand on parle de Bethel, maison de Dieu,
Donc ça rajoute un adjectif, plutôt ça rajoute cette appartenance. Et moi, quand je me dis ou je m'appelle Elwanga, c'est juste une manière de consacrer mon nom à Dieu. Comme Bethléem, nous voyons la maison des dieux, plutôt la maison des pères, comme nous voyons par exemple Bethel. C'est-à-dire, voilà, donc c'est une manière pour moi de sanctifier le nom que j'ai reçu, c'est de consacrer le nom que j'ai reçu de la part de Dieu. Dans d'autres termes, si tu mets ça à l'envers, donc ils ont manière au bas, au don des dieux ou bien Wanga des dieux. Donc je suis bel et bien de la famille Wanga, mais au fait, moi, je suis El Wanga. Tant que tu es pasteur Wanga, il dérangera-t-il le col à soleil Wanga, Blaise Wanga, est-ce qu'il dérangera-t-il vraiment dans Bandiminayo? Non, mais pourquoi ça va me déranger? Ce ne sont pas des démons, ce ne sont pas des diables. Ce sont mes frères biologiques qui sont des êtres humains à part et entière. Ce sont des croyants, et puis après, chacun a fait le choix de faire sa profession, qui n'a rien à voir avec tout ce qu'il y a. Donc, ça, c'est une aberration au niveau francophone. Oyo, ceux qui m'ont partagé ma conviction, mon ayoté, croyance, mon ayoté, bon, ils sont croyants, bien sûr. Il faut forcément le diaboliser, le mettre à l'écart. Non, ce sont mes frères, ça ne me dérange pas. Je ne suis pas plus saint qu'eux, je ne suis pas plus juste qu'eux. Nous sommes justes par Jésus, c'est lui qui nous rend purs et justes et saints par sa grâce. Donc, Paul Azoloba, si nous sommes sauvés, c'est par la grâce au moyen de la foi. Et Azoloba insiste à lui que personne ne se glorifie. C'est-à-dire, moi je pense que si moi je suis appelé au ministère, cela ne veut pas dire que je suis plus saint ou plus juste que ceux qui ne sont pas appelés à moi. Ils sont dans leur domaine, ils font ce qu'ils peuvent faire pour, comme métier, pour nourrir leur famille, nourrir leurs enfants, prendre soin de leur famille, voilà. Comment un pasteur est beau, il aspect beau, il gêne beau. Vous avez père des familles, vous avez marié. Ouais, mais bien sûr que oui. Je suis père des familles, j'ai trois gosses. Na église, ma sœur, ma dérange à rater. Non, déjà sœur ou azoïa na église parce que azoïa na pasteur aza beau gosse, c'est qu'il n'a rien compris au fait. À l'église, moi, je ne fais pas la promotion de ma beauté, je fais pas la promotion de ma personne. Je fais la promotion de Jésus-Christ. Nous sommes les commissionnaires de Jésus. Nous sommes retournés à qu'est-ce que tu dis là? Est-ce que c'est écrit dans la Bible? Oui. Paul Azoloba, je vous ai fiancé à un seul époux. C'est-à-dire, quand ton fiancé a un seul époux, il a fiancé comme qui? Comme Bokilo? Non. Nous avons fait la commission. Nous avons fait l'expertise. Nous avons vendu Jésus. Plutôt Jean-Baptiste, quand il voit Jésus, il présente Jésus. C'est ça le ministre de la parole. C'est ça l'apôtre, le prophète, le docteur, le pasteur. C'est ça le rôle de l'apôtre. L'apôtre, le pasteur, l'évangéliste, le pasteur n'est pas là pour se présenter lui-même. Il est là pour présenter Jésus. Alors, tant que Moutazolo Mwamakolo, Azoyana Église, il doit d'abord venir pour le Seigneur. Quelqu'un peut me dire, mais il a utilisé un homme, oui. Il m'a utilisé pour que tu puisses le connaître. Mais moi, je ne suis rien du tout face à ces Jésus. Donc moi, je suis là, j'ai fait le management, j'ai fait l'expertise de vanter les œuvres de Jésus, de vanter l'amour de Jésus au monde. Et c'est lui qui croit au Seigneur Jésus-Christ qui s'approche de moi. Il s'approche de moi pas pour autre usage. Il s'approche de moi pour connaître le Dieu que moi je le montre. Point barre. Donc, et puis, beauté sa diabolique. C'est un concept purement francophone. Tout ce qui est beau, tout ce qui est joli, tout ce qui est. Il y a 11 mois, en fait, les gens, quand ils te voient bien présenté, bon, entre guillemets, c'est qu'ils ont des préjugés, ils commencent à imaginer des choses. Mais qui vous a dit que la beauté est diabolique? Moi, je suis fier d'être les panneaux publicitaires de Dieu. La beauté n'est pas diabolique. Bible, clairement, ils ont détaillé beauté à David. Il avait les yeux roux, il était beau de visage. La Bible décrit la beauté d'Esther. Donc, ce sont des faux débats qui sont dans le milieu francophone. Donc, tout ce qui est beau, tout ce qui est bien, fait partie de la divinité. Donc, en aucun cas, cause à la bien, cause à la propre, cause à la excellent. Parce qu'il y a une différence entre l'excellence et la luxure. C'est que les gens confondent. La luxure, c'est tout ce qui est extravagant, qui coûte cher, qui coûte des millions. Mais l'excellence, il a sens, il y a goût, il y a goût, il y a goût. Il y a un goût, il y a goût, il y a une voiture à 100 000 dollars. Mon coach, il y a une voiture, il y a un centime, et il y a une voiture, il y a malgré marque. Mais il y a un goût, il y a un Renault, il y a. Mais tellement qu'il prend soin de sa voiture, au quotidien déjà dans l'odeur à Kitoko, ça sent bon, et puis il fait en sorte que à ta poussière dans la voiture n'a été, il prend soin de sa voiture. Donc dans son petit confort, il est mieux, il se sent mieux. Donc voilà. Donc la beauté n'est pas diabolique,
Et c'est une manière de penser négative qui fait que les gens pensent que quand on est pasteur, il faut à des ordres, il faut à la... comment moi, je sais pas moi. Donc moi je pense que c'est un faux débat en fait. La beauté n'est pas diabolique. Lélo... Et pardon, que vous avez la paix beau, ils ont synonyme à vous avez la moins sérieux. Ouais. Ça n'a rien à voir. Ok. Merci pasteur Nabisso. To sambela, gima samba, to sambela. Grâce Pemba, to sambela, ko sambela eza bien. Ko yamba déjà invité Mnene Boé, oyo aza pasteur na kati ya France, na kati ya Paris, aza sal évangéliste na bien. Eza déjà bien. Merci. Merci pasteur na Olobi. Pasteur na ina tout nelo moko, lelo tozo mona par rapport ya bandimi na biso. Ya biso bandimi na bino ba pasteur. Ndengo to lo ba so makambu ya lixer awa. Bino bokomi priske na mbongo ebele koleka biso bandimi. Biso bandimi tozongi sima bino ba pasteur bokomi au sommet. Nini ezo pense ke bino bokoma bongo biso tozonga sima parce que tozo ya luka lobi ko pa na bino. Mais tozo mona ke bino nde mutu bokomi ko profiter par rapport na biso. Déjà, mon toit est bien à mi panzambe, a gros profité de la bandimia batu ya yesu te, parce que baza bandimina yete, baza bandimia batu ya yesu. J'ai dit tout à l'heure ici, nous sommes des commissionnaires de Jésus. Nous ne faisons que la commission. C'est-à-dire, nous vantons Jésus pour faire connaître au monde, à ceux qui ne le connaissent pas, de pouvoir le connaître. Ça, c'est la première réponse. Deuxième réponse, c'est-à-dire, mon toit a vraiment appelé de Dieu à gogi ko exploiter bandimité à son dû. L'exploitation illégale est une infraction même selon la loi. Ça dit pourquoi? Parce que nous avons un compte à rendre. Nous aurons un compte à rendre parce que très bientôt Jésus ne revient pas comme l'agneau des dieux, mais il revient très bientôt comme le juge. C'est-à-dire, le juge vient pour juger, le juge vient pour condamner, le juge vient pour faire tomber la sentence. Pour le criminel, tous ceux qui ont fait tout ça. Donc je pense que pasteur Ouazan a conscience, Ouana, il n'a pas le temps d'escroquer les bandits. Yamisa, tu sais qu'un bon berger ne détruit pas son troupeau. Un bon berger garde, préserve, protège. Au contraire, David a détail d'un bon berger. Il dit, il me conduit près des eaux paisibles. C'est le cahier des charges d'un berger. C'est la ligne que le berger doit suivre. Bon, et puis après, qu'on s'épanouit financièrement la vie, et ça, c'est-à-dire, pasteur ou azan amoutou, yawe bakoulukambon ote, peu importe ma bonzanzo zoa, aokosa nan opelo monte. Moundimi azo s'épanouit pas parce que l'église le bloque. Moundimi azo s'épanouit tamsou parce qu'il n'est pas ambitieux. La vie est basée sur les ambitions, sur les objectifs à poursuivre. Tant que yomoro ozan on a objectif à poursuivre été, certes, l'église est là pour nous apprendre certaines manières aussi de faire les choses. Il ne faut pas prendre la charge de ton échec, l'attribuer à quelqu'un d'autre. Non. Jean Zoba, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé. Mais il conditionne cela comme prospère l'état de ton âme. Donc, le développement d'une personne n'est pas une affaire d'une autre personne. Le développement individuel d'une personne, c'est d'abord une affaire individuelle et personnelle. La prise de conscience est une clé d'abord qui permet à ce que Moutou a se propulser vers le haut. Malheureusement, aujourd'hui, nous avons beaucoup de gens qui sont des inconscients et qui continuent à être des inconscients. Il ne faut pas responsabiliser d'autres personnes à ta perte. Preuve en est que tout ça a l'élo. Ce qui se passe en Afrique. Combien de Congolais sont connectés pour savoir ce qui se passe en Afrique aujourd'hui? Mais tu auras la musique, tu auras la fertilité, ou publier à gauche, publier à droite, regarder sur TikTok ce qui se passe, regarder sur les réseaux sociaux. Donc, échec Nabiso, ils ont responsabilité à mon souhaité. Échec Nabiso, ils ont responsabilité, Nabiso Morobatu. Pasteur, Lélo, pardon. Lélo, Nakatiote, Lélo, tu as dit que tu as dit que réseaux sociaux dit que tu as dit que Bandimi mususu baza susu na confiance ya okende église te parce que tozomona o tozomona lelo neng bazo publier ba pasteur tant yo mona abongo etant que mosal na nzambe oza na besoin que bandimi na ba fils de Dieu baya epai na bino poto sambela tant o mona abongo bazo publier ba ninga no bandeko no pasteur ba collègue na yo o santarani na katsa ker na yo. Déjà, quand tu vois la chute de ton frère, tu ne peux pas être heureux, ça doit te faire mal.
Mais maintenant, le problème, c'est que nous, on ne doit pas se conformer par rapport au jugement des hommes. Nous, on doit se conformer par rapport au jugement de la Bible. Ils ont le rôle à Soda Sambara, à tribunal de Pété, à Sambara, à auditorat militaire. C'est-à-dire, ce n'est pas un civil qui juge un militaire, mais c'est un militaire qui juge un civil. Il y a un moment, on a même un juge militaire, là, tu as tenu un bango. Donc, ça sous-entend que tu ne peux pas juger un militaire, d'autant plus qu'ils ont la juridiction naïoté. Je vais dire quoi par là? Je ne soutiendrai jamais le mal parce que le mal doit être condamné. Mais en même temps, en fait, ce que dit la Bible en fonction de ce genre de choses, Paul Azor, vous qui êtes forts, supportez les faibles. Et non, vous qui êtes forts, détruisez vos frères. Et non, vous qui êtes forts, tuez vos frères. Moi, je peux aller même plus loin pour te dire, je sais que, bon, que Dieu aide ceux qui pourront me comprendre, de me comprendre. Quand j'ai fait des études plus loin, je me rends compte que Neto Vivaraboe, aucun être humain n'est habilité de juger l'autre être humain. Dans quel sens? Parce que la personne qui est exposée, c'est sa partie faible qui est exposée. Alors celui qui prétend ou qui se passe pour le juge de cette personne, c'est parce qu'au fait, lui se sert de son côté fort pour détruire celui qui a été exposé dans son côté faible. Mais cependant, yé moutoise s'est passé pour un juge, a zappé na côté faible, ou yé eza pas exposé d'une manière ou d'une autre. Il y a un moment devant la femme adultère, Jésus n'a pas encouragé l'adultère de la femme, mais il a condamné la méchanceté. Naki mouté mamabe ou batouana ba yaki nango vis-à-vis de cette femme, comme si eux ils étaient irréprochables, comme si eux ils étaient saints, sans aucune reproche, sans aucun péché. Il y a un moment yé soit le baki. Qui d'entre vous, pour bien que soit Mikolo, n'a pas de beauté, vierge, chaste, et moi, si on a une couche sur place. Mais je dis à tout le monde une question, qui d'entre vous n'a jamais péché? Pour que, oh, il y a ça l'adultère, à se retrouver dans le koutanaï, oh, il y a ça l'adultère, à se retrouver dans l'escroquerie, oh, il y a ça l'escroquerie, Bible, accusé par leur propre conscience. Moi, je ne prône pas cette communauté de méchanceté. Moi, je ne prône pas cette communauté de commérage. Moi, je ne prône pas cette communauté des insultes. T'as la Léon dans les réseaux sociaux, la communauté qui fait la plus honte de toutes les communautés, c'est la nôtre. Pourquoi? Parce que nous sommes prêts à détruire nos frères, nous sommes prêts à détruire nos sœurs. Moi, je pense, peu importe où Moutaro ou ça dans la vie, nous devons prôner l'amour. Car il faut que dans la communauté, dans la vie sur l'autre, on a bateau, on a couf, on a dépression, on a kunda, à cause de la diffamation. Pour le bagu, ba causer la guerre, les camos ont été choqués. Pour ça, les camos ont basé les camos en exposant en plein jour. À quoi choc on a été à supporter, à monter et à bannir maladie, à bannir dépression. Bon, on a l'obi muta se retirer, à koufi. Mais toujours tenir compte dans monter. Il y a un jour, on a besoin d'azol. Bah heureux l'homme qui ne marche pas selon les conseils des méchants. Peu importe ce qui peut arriver, parce que nul et personne n'est épargné. C'est pas pour rien Jésus pouvait dire quand vous prierez, dites Père, ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Donc tous les jours de notre vie, même yonga suena qui m'a béli kola yo, et gros ça n'a jamais essayé. Il faut nazo charge wana go zoyo en prix. D'abord na lukana yeba, ozana etani na moment wana tant yo qui m'a béwana. Parce qu'il faut d'abord sauver l'âme d'une personne. Il y a même une infraction qui dit non assistance à personne en danger. Et ça infraction. Donc perdons pas nos frères ni nos sœurs à cause des erreurs de leur vie. Mais récupérons nos frères et nos sœurs, sauvons leurs âmes en les aidant à retourner sur le droit et le bon chemin. C'est ce que dit la Bible. Et nous devons prôner l'amour. Tosambela. 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 Gilles Benzoula. Tosambela. Junior Sandouku. Tosambela. Pasteur Lelo Tozomona Lelo. Église et continue à polémique. Ba pasteur ba ke na politique. Ba ba to pesa ya nzambe ya nzambe ya kaisala ya kaisala. Mais le loto zo mona ba pasteur a komi ko sala album. Na kati album wana a pesi na ngo na kombo to ba neti lelo pasteur na biso prophète Denis Lesi. A pesi album kombo ya pétage. To moni a zui danseuse. Alati sexy, a zo yemba, a zo bina. Est-ce que tu as confiance à un pasteur Lelo pour que tu puisses faire un zambé, un zambé, un kaisala, un kaisala? Boke na politique, boke na kosala album, boke kosala ba single, tu as le bani na place wana parce que biso bandimi, tu as mis le koya na église. Na place wana étant que pasteur, mosal na nzambe, oto yo karabino,
ndengo lobi ke bozale lo ba mikala ya Jésus-Christ biso siko to yaka pona bino to yoka bino ndengo bolobara na biso parce que e darape biso na ba couple na biso mais lelo to komi ko banga ko ya na ba église ne sika wana et tant que pasteur to koloba ni. Bon, tu sais, aujourd'hui, c'est la vérité, c'est que tant que le pasteur a s'engagé dans la politique à titre individuel, ils en ont les soumoutés parce qu'ils ont la conviction personnelle et privée. Mais en fait, on ne peut pas se servir de l'église pour faire sa politique. Le problème est dans le niveau. Faire la politique à titre individuel, à titre personnel, n'a pas conviction à Yomoko. Ça, ce n'est pas un problème. Moutno Sosa libre, parce que le pasteur, au-delà d'être pasteur, c'est un monsieur, c'est un citoyen d'un pays. Il a ses droits, il a ses devoirs en tant que peuple, en tant que monsieur. Mais au fait, c'est servir maintenant de l'Église pour ses fins politiques. Là, ça devient une bêtise, ça devient une aberration, ça devient pratiquement le détournement de l'usage. C'est-à-dire, on ne peut pas se servir de l'Église pour son tremplin en politique. Donc, ici, j'aimerais donner conseil à tous les collègues, les aînés, pasteurs qui pensent qu'ils ont l'aspiration à la politique. Faites votre politique à titre individuel comme vous voulez. Mais c'est servir de l'église, ça, ce n'est pas bien et ce n'est pas bon. Bon, écoutez, pour ce qui concerne le pasteur Denis Lessi, je pense que déjà, un, si c'est Aza et Nenanga, d'abord dans l'âge et puis dans le ministère, Nazan a laissé au PSAIT. Je n'ai pas de leçon à lui donner. Bibezo Banabiso, tout ce qui n'est pas fruit d'une conviction est un péché. Je crois que tant qu'on a le bar à la même mission, il est clair dans ses propos. C'est à vous, le peuple de Dieu, de faire le choix, soit de suivre ce qu'il fait, soit de ne pas suivre ce qu'il fait. Donc, moi, je pense que il est très mieux placé pour faire ce qu'il est. Et puis, le problème, c'est qu'il ne faut pas tout s'assembler. Tout ça, banamiké, tu dois Nicolo. Naba oba samela, naba oba samela, te. Baye bini ni bako landa. Baye upe nani ni bako landa, te. Donc voilà ce que je peux répondre là-dessus. Je ne vais pas aller tégiverger ou quoi que ce soit, non. Aza Mukolo, Aza responsable de ses actes, il assume ce qu'il est en train de faire. Donc, chacun portera sa propre charge. Merci beaucoup, Tosepeli Aroyambayo. Soyez le long, Moutou Alinga Landayo, Akolando Wapi, Siège Nuesa Wapi, Église. Merci, pasteur Toyokiyo, Toyoki vraiment Oyo Lobby. Lelo soki mutu alingi aya na église na yo ayo kayo alanda yo. Est-ce que okope sa biso adresse na yo? Pour l'instant, nous avons eu un petit souci de la salle. Nous sommes à la recherche d'une nouvelle salle. Très bientôt, dans quelques jours, on pourra annoncer cela. Mais dans un premier temps, nous sommes en préparatif d'une grande action évangélique, prophétique, des délivrances, des restaurations, d'adoration, de louanges, dénommée Shama Celebration, qui va se tenir samedi 16 septembre au 17 boulevard de la Libération, dans la ville de Saint-Denis. Donc, ça sera juste derrière la gare. C'est une grande salle où nous aurons son et lumière ultra moderne qui va nous permettre de passer des moments fabuleux, extraordinaires dans la présence de Dieu, parce que nous allons nous baser sur la référence des Corées qui dit « Un jour dans tes parvis vaut mieux que 1000 ans ailleurs ». C'est-à-dire, nous allons nous consacrer ce jour-là dans cette pièce-là pour passer des temps dans la louange, dans l'adoration, dans la parole, dans la démonstration de la puissance de Dieu. Et je suis convaincu et persuadé que quiconque prendra rendez-vous de ce jour-là, il ne sera pas dessus. Et c'est après là que nous aurons à vous donner notre nouvelle adresse de gloire qui va nous permettre justement de redémarrer la gloire du second temple. Mais entre-temps, vous pouvez nous suivre sur notre page TikTok où nous avons des prières du mardi au samedi à 22h, Elwanga 1, c'est-à-dire abonnez-vous sur ma page TikTok, abonnez-vous sur mon compte Instagram Odan Elwanga et surtout sur ma chaîne YouTube Odan Elwanga TV. Abonnez-vous, vous serez énormément édifiés. Donc si vous avez besoin de plus amples détails, n'hésitez pas de nous contacter et je crois que vous serez énormément édifiés. Et merci à vous de m'avoir invité, Monsieur Pelé. Merci beaucoup, pasteur Nabisso. Toyo ka single na yo. Bolanda single na yo. Très bon message na single wana. Cherchez de tout mon cœur, laisse-toi trouver. J'ai été cherché la nuit, le jour, laisse-toi trouver. J'ai été cherché de tout mon cœur, laisse-toi trouver.
ne me laissez pas, oh Jésus, oh, oh ne me laissez pas tomber, Yaya, oh, oh ne me cachez pas ta face, Shiloh, Yaya, ne me laissez pas loin de toi. J'ai tant cherché ta face, il est temps que tu te révèles dans ma vie, Jésus-Christ. Tu es mon roi, mon sauveur, car ma vie sans toi, Jésus, elle n'a pas d'essence. Et voilà. merci beaucoup Tosepeli, Bolanda Single Nabiso, Tosa toujours na bosabonné vraiment ébélé, na plaire, flair.